Le trailer que vous allez voir est un pré-trailer. C'est une maquette de la scène 5 réalisée avec les images du storyboard. De retour sur Terre après un voyage de plusieurs siècles passé dans l'espace, le héros se retrouve amnésique et accusé de la disparition de ses deux camarades de vol. Jugé coupable, il n'est cependant pas condamné. Pour quelle raison ? Suite au prochain épisode. Me voici donc de retour sur Terre. En l'année 352 de cette nouvelle ère décrétée en l'an 2200 de l'ère chrétienne. 3 ans après mon départ vers les étoiles. Le monde que j'ai connu n'existe plus. Il va falloir que je m'y fasse. À l'issue du procès, c'est l'accusateur qui a eu le dernier mot. Je suis coupable. Mais étrangement, aucune condamnation n'a été décidée. Après ce jugement absurde, on m'a soumis à un traitement mémoriel, une sorte de machine qui utilise l'hypnose et l'intelligence artificielle, m'ont inculqué les vérités essentielles de ce nouveau monde. Sergueï Ivanovna, que s'est-il donc passé dans l'espace ? Le mystère qui se dresse devant moi ressemble à un mur blanc, silencieux, monolithique. Mon inconscient fait l'impasse, mais au plus profond de moi, j'espère n'avoir aucune responsabilité dans la disparition de mes camarades. Un homme attaché au service informatique de la base militaire de la ville a téléphoné pour m'inviter dans la matinée, à une sortie guidée. Je ne doute bien que l'armée ne croit qu'à moitié à mon amnésie et n'abandonnera pas aussi facilement le seul témoin de l'affaire du Spiral 4. Je suis persuadé que ce tuteur, un certain Mike Comrod, a pour mission de me surveiller et d'en savoir plus sur mon compte. Je me sens tel un enfant de 10 ans, ignorant, impuissant et manipulé. Si faible.